le trouve pas mal. C'est vrai que si les gens me tiennent. Oh non, 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 non. On veut continuer à danser encore. Voir vos pensées enlacées encore. Passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 non. On veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacées encore. Voilà, là, c'est celui de la semaine dernière. C'était celui de la semaine dernière. Mais c'est celui d'avant. J'ai eu une interrogation aujourd'hui puisque je me suis levé ce matin et quelques heures après mon réveil, je me demandais si on était bien samedi. Vous me confirmez qu'on est bien samedi aujourd'hui ? Oui ! Okay. J'avais un doute. Puisque, comme tous les samedis matins, je suis curieux de savoir ce que disent les médias à la télé au sujet des rassemblements et de la mobilisation qui a lieu maintenant depuis 8 samedis. Parce que c'est quand même le 8e. Et j'ai été surpris d'une chose de la part de BFM TV. Ils n'ont dit aucune bêtise. C'est impressionnant quand même, on est d'accord ? C'est très impressionnant. Et vous savez pourquoi ils n'ont dit aucune bêtise ? Ils n'en ont pas parlé ! Voilà ! Ils n'ont aucunement parlé de la mobilisation, ils n'ont aucunement parlé du rassemblement qui est quand même au niveau national, qui est présent dans toutes les villes de France. Il n'y a eu aucune info à ce sujet. De quoi ils ont parlé ? Ils ont parlé des élections présidentielles de 2022. Apparemment, en France aujourd'hui, il semblerait que tous les citoyens français acceptent le pass sanitaire, acceptent la vaccination, et je pense qu'on peut le dire, c'est rentré dans les mœurs. Étant donné qu'on ne parle pas de l'opposition, de ceux qui sont pour le retrait du pass, qu'on ne parle pas de nous, c'est-à-dire qu'on n'existe plus, c'est ça ? Excusez-moi, je vous entends pas, on n'existe plus ? On est toujours présent et ça, va falloir que les médias et le gouvernement en prennent conscience. Et quand je parle des médias, je ne parle pas que des médias télévisés, comme les grandes chaînes, je parle également des médias locaux. Puisque, soi-disant, la semaine dernière, nous étions que 600. Ben, je suis désolé de vous l'annoncer, mais il y a un petit écart de 300 manifestants quand même. Hein. On était 900 ! Donc si les médias sont présents aujourd'hui, comme chaque samedi, je leur invite donc à faire comme tout bon journaliste, c'est-à-dire d'avoir tout simplement plusieurs sources. Donc prendre les chiffres de la police, c'est bien, mais prenez les chiffres également des organisateurs et faites votre moyenne. Mais ne vous basez pas que sur une source, parce que à ce niveau-là, on risque de ne pas s'entendre à faire. Merci. Petit rectificatif, mais qui était, me semble-t-il, nécessaire. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons partir direction hôpital. Alors je vous explique un peu comment ça s'est passé cette semaine. Ça a été assez compliqué de trouver donc, un accord avec la préfecture au sujet du trajet. Donc nous avions proposé initialement l'hôpital, puis nous avions proposé un second trajet. Puisque, comme vous le savez aujourd'hui, Leclerc, donc le Leclerc d'Auxerre, qui est de l'autre côté du pont, a ouvert donc un centre de vaccination éphémère
temporaire. Donc c'est-à-dire que si vous souhaitez faire vos courses, vous avez possibilité de vous faire vacciner au passage. Boycott total ! Boycott total ! Alors est-ce que vous trouvez ça normal ? Non ! Ça me pose quand même un gros problème. Donc, on a proposé, nous, d'aller du côté du Leclerc, et qu'est-ce qu'on nous a dit ? On nous a dit que c'était refusé. Donc il y avait plusieurs raisons, mais l'une des raisons qui m'a le plus... qui m'a le plus choqué, c'est que le directeur du Leclerc n'était pas d'accord. Alors, je ne savais pas que l'avenue Jean Jaurès lui appartenait. Je suis ravi de l'apprendre. Mais voilà, donc vous le savez, l'avenue Jean Jaurès appartient au Leclerc. Et puis qu'effectivement, donc c'était la rentrée, nous sommes le premier week-end de la rentrée, donc côté chiffre d'affaires, c'est sûr que pour Leclerc, si entre guillemets ils perdaient une après-midi, ça les mettrait à genoux, hein, ce serait compliqué pour eux de se relever. Donc bon, c'est compliqué pour tout le monde, je conçois, surtout pour Leclerc. C'est vrai que s'ils perdaient une après-midi, ils seraient obligés de mettre la clé sous la porte. C'est dingue. Et de dormir sous les ponts aussi. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous allons aller à l'hôpital. Donc je vais vous expliquer la démarche. Nous allons aller à l'hôpital puisqu'il est important plus que jamais, car la date du 15 septembre approche, il est important plus que jamais d'apporter notre soutien aux soignants. Donc j'ai entendu différents retours à ce sujet, comme quoi effectivement nous avions dérangé les malades. Effectivement, nous avons fait du bruit, donc nous avons potentiellement dérangé les malades. Je ne dirais pas le contraire. Mais est-ce que c'est si grave que ça, quand on sait qu'à partir du 15, des centaines, des milliers de soignants en France, voire plus, vont perdre leur salaire par rapport à leur conviction? Est-ce que c'est important? Je pense que ça l'est beaucoup plus que de déranger quelques malades. Que les choses soient claires. Et en plus de ça, à ces patients que l'on aurait soi-disant dérangés, je vous rappelle qu'il leur faut aussi des soignants. Quand demain, l'hôpital public, l'hôpital d'Auxerre va perdre des soignants, qui sera là pour veiller à leurs soins? Qui sera là pour leur en prodiguer? Il n'y aura plus personne. Donc il est important d'apporter notre soutien moral à ces soignants et surtout de se battre contre le pass sanitaire qui est instauré à l'entrée de ces lieux qui prodigue des soins. Et ça, c'est une honte. Il est temps plus que jamais qu'on nous entende. Et encore une fois, étant donné qu'il n'arrive pas à nous décrédibiliser puisque nous sommes pacifistes, puisque nous ne faisons preuve d'aucune violence, et d'ailleurs ça restera comme ça, liberté, 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 liber
Mettez-vous plus sur les côtés pour laisser l'accès aux véhicules sanitaires qui pourraient passer, ambulances. Mettez-vous vraiment sur les côtés droit et gauche, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi, ça fait un peu stabilisé. Donc, comme je vous l'avais annoncé, nous allons mettre en place, comme la semaine dernière, une agora afin que tout le monde puisse prendre la parole. Alors, les règles sont les mêmes que la semaine passée. Donc c'est 2 minutes de parole pour chacun qui souhaitera la prendre. Et vous pouvez dire ce qui vous passe par la tête, vous pouvez parler avec votre cœur et dire simplement votre ressenti ou peut-être apporter des informations que nous n'avons pas, que certains d'entre nous n'ont pas. Voilà, la parole est libre et elle est donnée à tout le monde. Je voudrais également une nouvelle fois apporter mon soutien donc, aux soignants qui, à compter du 15, pour ceux qui souhaitent continuer à se battre, pour ceux qui ont leurs convictions, qui vont avoir une suspension de salaire.
qui ne pourront plus exercer sous prétexte de ne pas être vaccinés. Et ça, c'est une honte et c'est quelque chose pour lequel nous ne laisserons pas passer. Nous allons nous battre pour eux, nous nous battrons pour vous, nous nous battons pour tous. Les infirmières brûlent leurs diplômes et jettent leurs blouses devant l'hôpital pour protester contre le pass sanitaire obligatoire à partir du 15 septembre. La troisième dose est déjà annoncée par les médias. La Commission européenne n'endossera pas de responsabilité en cas de problème de santé après cette injection. La source est resistance-mondial.com. Le Japon suspend les injections contre le Covid. 1 million de doses Moderna comporteraient des anomalies après signalement. En fait, on peut considérer que tous les vaccins comportent des anomalies. Au Luxembourg, le docteur Ochos, médecin généraliste, risque 1 an de suspension de son activité pour avoir soigné des malades du Covid, n'étant pas lui-même favorable à la vaccination. Journaliste disait que le patron du MEDEF, Roux de Bézieux, était intervenu auprès de Macron pour qu'il retire le pass sanitaire car économiquement il y avait un manque à gagner. Bonjour. Alors, ça va être le même système que la semaine dernière. Des petites infos par rapport aux remarques qui ont pu être faites la semaine dernière. On ne peut pas circuler à travers la foule avec le micro. On n'a pas un système de sonorisation qui nous permet ça. On est bien désolé. Donc du coup, effectivement, il faut que les personnes qui sont un peu timides n'hésitent pas à s'avancer ou à venir faire un coucou et on les encouragera si elles n'osent pas venir toutes seules. Mais on ne va pas pouvoir se déplacer avec le micro dans la foule. Il y a des signes de facilitation qui peuvent être utiles pour gagner du temps. Quand vous n'entendez pas et que vous demandez que la personne monte le son, si toute la foule lui fait ça, il y a des chances que la personne comprenne. Quand vous êtes d'accord, plutôt que d'applaudir, on peut utiliser le signe des sourds-muets. C'est pareil, la personne comprendra qu'on est d'accord avec et puis ça évitera d'embêter un petit peu trop les patients autour de nous. Quand on n'est pas d'accord, comme ça, et quand la personne dit quelque chose qui a déjà été dit plein de fois, alors j'ai pas les deux mains, mais vous imaginez que j'ai mes deux mains et voilà, la dame le fait très bien. Fais au-dessus de sa tête, voilà. Voilà, et on essaye d'être bienveillants les uns avec les autres. On se donne 2 minutes de temps de parole, c'est vraiment pas beaucoup. Alors c'est vrai que quand tout le monde a parlé à la fin, ça fait long. Néanmoins, pour les personnes qui sont impatientes, je vous rappelle que la manifestation s'arrête ici, que vous êtes absolument libre de partir quand vous le souhaitez, on ne vous tient pas en otage. Voilà, c'était pour répondre à tout ce qu'on a pu nous dire la semaine dernière. Donc à la première prise de parole, s'il vous plaît. Bonjour, je suis ancienne infirmière. J'ai quitté tout ça parce que je ne voulais pas travailler. Voilà, comme ça. C'est bon. Bonjour, je suis ancienne infirmière. J'ai quitté tout ça parce que je ne veux pas faire des actes qu'on m'impose qui sont contraires à mon éthique. Voilà. Deuxièmement, j'ai de la famille actuellement malade et qu'on ne peut pas aller voir parce que je suis pas favorable au pass, je ne veux pas la vaccination et je pense non seulement à ma famille, mais je pense à tous les malades qui sont dans la même situation et je fais un coucou en même temps à tous les soignants que je soutiens. Bravo! Bonjour, je m'appelle Annie. Bonjour! Juste quelques mots.
pour faire ce triste constat avec vous tous. Cette pandémie, cette menace de nos libertés arrive juste dans l'époque où déjà une grave menace pèse au niveau climatique et au niveau environnemental. Donc rien n'est fait à la hauteur de l'extrême gravité et urgence de la situation. Donc ça rejoint, pour moi, tout ça, de toute façon, ça concerne notre santé. Alors, comme on dit chez les randonneurs, seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Anti-vaccin. Je suis scandalisée par la discrimination qui est exercée sur les soignants et sur les soignés. Mais je vais être très brève. Là, je me bats pour une chose, c'est qu'après la maltraitance qu'on a exercée sur les personnes âgées, j'estime qu'on doit se battre contre la maltraitance exercée chez nos jeunes. Après le monde qu'on leur prépare sur le plan écologique, je pense qu'on doit se battre sur le plan de la santé et de toutes les mesures que cela suppose, toutes les contraintes vécues par eux. Donc je ne vais pas aller plus loin, mais voilà ma pancarte. Alors nous, en tant que simples citoyens, nous pouvons manifester, mais vous avez aussi des avocats qui travaillent pour nous. Et à ce jour, moins de 4000 plaintes contre Blanquer ont été téléchargées. Parents, cherchez l'erreur. De même pour la plainte contre Véran, même pas 3200 téléchargements. Voilà. Donc si vous n'étiez pas au courant de ces actions et que vous souhaitez y participer, j'ai mis les plaintes en ligne sur le site Antipass Sanitaire 89. Voilà. Très bien. Bonjour, Muriel. Vous pouvez témoigner. Je veux témoigner de ce que j'ai vécu récemment, puisque j'ai été hospitalisée. Alors, j'ai constaté que ce soignant n'est pas accepté. Alors, je voudrais d'abord tous vous remercier de votre pacifisme, de votre respect pour les patients. Vous avez fait preuve de silence. Et donc, c'est là le respect, et c'est ce que attendez. Et encore une fois, j'aimerais apporter soutien aux soignants. J'aimerais apporter mon soutien aux soignants. Les remercier de ce qu'ils font, de leur travail. Merci, merci beaucoup. Merci. Thank you.